Tout de suite, on va rejoindre Simon Gamache-Fortin à Montréal. Simon, le bureau du ministre Mark Miller a été vandalisé. Ouais, le bureau montréalais au cours des dernières heures. On vous montre tout de suite des images en direct. Beaucoup de peintures, vitrines fracassées. La porte-parole du service de police de la ville de Montréal me confirme qu'il y a eu introduction par infraction et méfait également, méfait aussi à l'intérieur du bureau. Et on peut voir là, évidemment, qu'il y a de la peinture également à l'intérieur. Ça s'est passé au cours des dernières heures. Évidemment qu'il y a une enquête qui est en cours. La scène qui vient tout juste d'être protégée par des policiers du service de police de la ville de Montréal ici sur place, donc dans le bureau montréalais de Mark Miller, qui est ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Il y a énormément de vitres au sol. Évidemment qu'il y a une enquête là, qui est en cours de la part du service de police de la ville de Montréal. Il y a certains écriteaux qui sont également au sol. Est-ce que c'est relié à l'événement ou c'était là auparavant? Ça reste évidemment à confirmer. Nous allons également lancer au cours des prochaines minutes le cabinet du ministre pour avoir une réaction. Mais on voit une scène ici, vraiment beaucoup de peinture. On peut parler là, de plusieurs milliers de dollars, certainement de dommages au bureau montréalais, donc du ministre de l'Immigration. L'enquête se poursuit, donc scène qui vient tout juste, Jean-François, d'être protégée par le SPVM. On va vous revenir avec d'autres détails un peu plus tard au cours de la matinée. Merci Simon, à tantôt.